الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد جي ان بيل مون كي با كون رياليتي ريليجيون سا اي étant donné que en Haïti commence gain mosquée commence gain en pil mon cap accepter religion ça m'te vle partager avec nous entière information au sujet de religion noire. Et religion, qui j'en relais, il est islam. Et islam, son mot arabe, qui signifiait soumission. Soumission à Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah, c'est un mot arabe que nous utilisons pour désigner créateur. Pour désigner Dieu. Et son nom qui est exclusif à Allah, qui est exclusif à Dieu. Non, ça, ou pas qu'à bailler en l'autre créature, ou en l'autre chose, c'est Dieu seulement que vous devez relier avec non, ça. Et pour bonne raison, pour qui ça va spécifier que son nom qui est exclusif à Allah, c'est parce que l'on a parlé en français, souvent nous avons l'habitude de dire Dieu. Sauf que Dieu, c'est pas un nom lié, son titre, et non, ça, on a le droit d'utiliser, hein, l'on dit Dieu, on a le droit de dire au singulier, on a le droit de dire au pluriel, on a le droit de dire au masculin, on a le droit de dire au féminin. Ou bien doit utiliser le tout au féminin pluriel, tandis que Allah, son nom qui est exclusif à Dieu, ou pas qu'à changer, ou pas qu'à appliquer à l'autre bagaille que Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu. Et même moun qui est chrétien parmi Arabio, et même moun qui est juif parmi Arabio, parce que c'est pas tout arabe qui est musulman, gain arabe qui est chrétien, gain arabe qui est juif, gain arabe qui est athée, gain arabe qui pas croyant en Dieu, gain arabe qui gain toutes sortes d'autres religions tout. Mais même arabe yo qui pas musulman, là yo besoin parler de Dieu, c'est nom Allah yo utilisé. Parce que non langue arabe là c'est non ça qui désignait Dieu unique créateur. Donc, pas qu'on l'autre mot, pas qu'on l'autre nom en arabe pour désigner Dieu. Hein? Gain l'autre nom, mais pas gain l'autre nom qui est exclusif, même genre avec non ça. Ça, c'est son nom particulier. Donc, là, autant des Allah, gain pile monde qui pensait que son nom de on l'autre Dieu, hein, on idole ou on l'autre bagaille. Et ça, son fausse compréhension, son erreur dans compréhension noire. Allah, son nom qui désignait Dieu créateur, Dieu unique, le seul, le maître de tout univers. Hein? Donc ça, son bagaille, faut nous clarifier déjà en partant, parce que si nous pas clarifier, bon, n'a bien préjugé, n'a bien fausse compréhension. Donc, n'a pas tourné à ça, nous t'a expliqué au début, nous dit que religion islam, l'est signifié soumission à Dieu. Et non-religion, ça, l'islam, c'est pas un nom que nous inventons nous-mêmes, musulmans, c'est un nom que Dieu t'a révélé dans révélation liant, c'est-à-dire dans le Coran. Parce que musulmans, ils croient dans un livre. Dans un livre qui relève le Coran, en arabe nous dit Coran, et livre ça c'est la parole de Dieu et c'est dernière révélation que Allah t'a fait, que Dieu t'a fait à l'humanité. Donc dans livre ça, là où l'île ou pas le ouais, que Dieu dit en même temps que la parler de l'expliquer l'humanité en qui j'en pouvais adorer Allah et qui est-ce qui est Allah, qui est-ce qui est Dieu et qui j'en pouvais adorer lui.
lui mentionner que religion, c'est religion de la soumission. Et que c'est l'islam qui rédige. Par exemple, un verset dans le Coran qui dit Inna dina indallahi l'islam. Religion que Allah a accepté, c'est l'islam. Et dans l'autre verset tout, qui dit ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Verset ça en arabe signifie, les traduit en créole les signifie, et quiconque a cherché une autre religion que l'islam, Allah pape accepte Dieu pape accepte Dieu pape accepte il de lui-même, Dieu pape accepte il de lui-même, et dans l'au-delà les a rencontré Allah. Elle a rencontré Dieu au jugement dernier, la parmi perdant, la non hein, perdant, monde qui pèse hein. Donc c'est pas un autre coup christianisme ou judaïsme ou bouddhisme ou hindouisme, non ça yo, c'est non religion qui t'est inventée. Par monde qui t'est fondé religion ça yo, ou bien par fidèle qui t'est suivre religion ça yo après monde qui t'est fondé religion ça yo. Et pour m'ba nous un exemple, m'ba nous un exemple avec christianisme. Si vous regardez dans la Bible, ou pas besoin Jésus qui a décrit ou qui a mentionné que il y a une religion qui relait christianisme. Vous devez chercher dans toute la Bible, hein, ou pas besoin que Jésus abdimounio que religion lien lirait les christianisme. Non, christianisme, là, son nom que moun t'a attribué, premier moun qui t'a accepté message Jésus, hein, et qui relayo par non ça. Mais c'est pas Dieu lui-même qui t'a révélé non, hein. C'est moun qui pas quoi dans Jésus qui t'est inventé non ça pour désigner monde qui croit dans Jésus. Hein? Et son mot grec, hein, qui signifiait Messie. Christ, son mot grec Christ, qui signifiait Messie. Hein? Et christianisme, c'est-à-dire chrétien, c'est monde qui croit dans Messie. Hein? C'est ça qui signifiait. Tandis que judaïsme, son nom qui désignait une tribu parmi tribus israéliennes, parmi les tribus fils israéliens, c'est-à-dire la tribu de Judas. Hein? Tribu de Judas, c'est de là que non-religion a sorti. Donc, c'est pas un nom que Moïse t'a dit, par exemple, il n'est pas dit dans la Bible, religion, c'est judaïsme lié, puis il faut accepter judaïsme. Moïse n'a pas dit ça. Hein? Religion Moïse, c'est qui ça le c'est soumission à Allah. Pour tout le monde soumis à Dieu. Religion Jésus, qui ça le c'est la religion de la soumission. C'est en réalité message fondamental religion, c'est-à-dire que pour toute l'humanité adorer Dieu seul et pour abandonner toute forme idolâtrie, toute forme paganiste, tout ça qui adorait en dehors d'Allah, en dehors de Dieu, pour nous rejeter et pour nous consacrer adoration à Dieu seul. Hein? Et c'est même déjà avec l'autre religion. Tout nous n'avons pas besoin de trop d'exemples, c'est juste pour nous comprendre le principe. Là. Islam, c'est une religion qui distingue, qui est différente de religion. Ça y est. Déjà par nom, hein? Nom, c'est Dieu qui choisit. Hein? Et en même temps, qu'on y a bon, on va pour nous clarifier en premier. Parce que nous sommes haïtiens, et c'est pas haïtiens seulement, hein, monde qui connaît pas les créoles, il y a un pile peuple qui parle les créoles, c'est pas seulement haïtiens qui connaît pas les créoles, il y a Guadeloupe, il y a Martinique, il y a monde l'autre zilio tout, hein, qui connaît pas les créoles. Mais bien entendu, c'est pas tout même créole que vous qu'on parle, il y a un créole qui est différent, mais malgré ça, il y a un pile dans l'autre monde qui était dans l'autre île Antillo et dans l'autre Iliotto,
qui comprennent le créole. Là. Et moun sa yo, étant donné que yo habite dans un petit île, hein, yo vin renfermé sur yo même. Et parfois yo vin penser que côté y a vive, côté yo né, côté yo fait, c'est ça qui le centre de l'univers. Hein, yo pa wè ça qui a privé d'ailleurs, yo pa réalisé que c'est pas là seulement que baya yo a passé. Donc, parfois ça crivé, c'est que yo gen habitude pour yo ramener toute bagay à yo même. Donc les, par exemple, y a parlé de religion. Si gon message ou gon explication, connaissance, non adorateur, non qui gon en relation avec Dieu ou avec religion, que yo pas connaît ou qui pas fait partie de culture yo, yo get en tendance pour yo rejeter avant même yo tendez s'allier, hein. Et en particulier l'islam, parce que étant donné tout avec toute propagande négative que y a bail dans les médias à propos de l'islam, y a montré musulmans c'est terroristes dans télévision, y a montré musulmans c'est moun k'ap met bombe, k'ap fait sauter tête yo. Hein? Eh bien, y a un préjugé déjà en partant à propos de l'islam, hein? Même malgré que bah ça c'est mensonge au sujet de l'islam. C'est vrai que y a un monde qui y a un monde qui musulman qui fait bagay ça yo, mais bagay ça yo pas en accord avec religion. Ça c'est monde qui fait ça, c'est monde qui fou, c'est monde qui pas comprendre réalité religion. C'est monde fou qui a fait bagay ça yo. Réalité islam nan vin interdit ça moun sa yo a fait. Mais moun sa yo pas comprendre bagay ça, il y a un pile monde qui est garé, même parmi nous qui dit yo musulman, bon, il y a un pile qui est garé. Mon grand pile haïtien qui est influencé par médias, il commence à venir accuser les musulmans, accuser l'islam. Puis il dit nous-mêmes, c'est haïtien, nous pas contre bagay étranger ça yo, bah, religion arabe, bah, nous pas arabe, nous-mêmes c'est haïtien, nous y est, nous pas le temps de parler de l'islam. Nous-mêmes c'est Jésus, nous-mêmes c'est, hein. Il y a un pile haïtien qui a parlé comme ça, puis il y a un pile l'autre monde qui a parlé comme ça. Et ça c'est pas en façon pour nous analyser, pour nous comprendre bagaille bien. Parce que si on moun accepte un bagaille seulement les liens en accord avec ça yo connaît dans culture, ça veut dire que yo pral rejeter en pile bagaille qui vrai juste parce que yo pas connaît. Et attitude ça, c'est même attitude peuple Israël. Hein, peuple israélien yo pour qui ça Allah subhanahu wa ta'ala te maudit yo. Hein? Parce que les vérités en venir de yon l'autre peuple, yon pas accepté. Yon accepté vérité en seulement les, c'est de yon même que vérité en venir. À cause de ça, Allah te maudit yon. Foun yon gen pile l'autre peuple qui a pas agi même genre avec yon. C'est-à-dire, par exemple, yon pile haïtien qui dit bon, nous-mêmes, nous parlons tant de parler de l'islam parce que son bail de peuple arabe. On m'a posé une question qui est très simple. Est-ce que Jésus était haïtien? Tout le monde connaît que Jésus n'est pas haïtien. Et tout haïtien connaît ça. Mais là où on entre dans l'église, peu importe qui l'église liée, on entre dans l'église en Haïti ou ailleurs, là, il a parlé, il a prêché en créole, il a parlé de la Bible, il a parlé de Dieu, de religion, de christianisme, protestant, hein, adventiste, pentecôtiste, peu importe qui, secte chrétienne ou qui a suivi, il a toujours parlé en créole et il a parlé que, hein, Jésus, de Jésus, il a parlé de Jésus tant que son haïtien Jésus est, hein. Il a oublié que Jésus c'était un, on hébreu le théé, hein, l'anglais c'était en langue araméenne. Donc araméen son dialecte hébreu et son langue sémitique même genre avec arabe. Ni gen même racine avec arabe. Donc arabe et hébreu déjà yo très proche, hein, c'est cousin yo ka dit ça. Donc
Ça fait que les n'a parlé de Jésus, la parlé de Jésus qui est un prophète, que Allah t'a envoyé, que nous aimons, que nous respectons parmi les prophètes. Les n'a parlé de lui-même, nous oublier que son étranger lié, mais les n'a parlé de religion islam, du prophète de l'islam qui est le Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et n'a parlé de Coran, du Coran. N'a pas agité pour son bagage étranger lié, hein, non, nous pas arabe et tout. Est-ce que c'est hébreu lié? Non. C'est parce qu'il traduit Bible en créole, il traduit Bible en, dans toute langue, hein, il traduit Bible en français, donc nous pensons que son religion créole ou haïtienne lié. Son illusion, hein. Déjà, si nous reculons un peu, nous pas aller trop loin en arrière, l'église catholique n'a été interdite toute traduction Bible, hein, biblio. Bible, c'est en latin, elle était seulement, et nous n'avons pas bien droit l'île, excepté s'il te connaît l'île latin. Et même dans les catholiques, bon, biblio était en latin, et messio était fait en latin. Nous n'avons pas qu'on allait dans l'église, il y a peut de la messe, il n'y a pas comprendre rien, ça. Prêtre l'a dit. Hein? C'est récent, son bagage nouveau. Hein? Son bagage, ça fait pas trop longtemps que il a changé ça. Hein? Même protestants, c'est eux-mêmes qui ont commencé à faire traduction Bible. Hein? Avec Martin Luther, ils ont fait rébellion contre le pape, contre l'église. Hein? C'est là qu'ils ont commencé à traduire Bible. Mais avant ça, ils n'ont pas accepté traduction Bible. Hein? Donc, ça, c'est un exemple. Ça, c'est un exemple. Et pour nous comprendre que, faut nous arrêter penser que, depuis que n'a parlé de l'islam, son bagage étranger, hein, faut nous pas oublier tout, qu'on a notre bagage important tout, c'est que, haïtiens, ils ont origine africaine. C'est-à-dire que, origine haïtienne, c'est pas Haïti lié. Origine haïtienne, c'est en Afrique qui est sorti. Et faut nous connaître un bagage tout, c'est que historiquement, gen en pays haïtien, les yo te prennent en Afrique pour nous venir travailler en Haïti tant qu'esclaves, gen en pays haïtien qui était dans la religion islamique, qui était musulman. Les yo rivé en Haïti, les yo rivé en Amérique, les yo rivé dans l'autre zilio pour yo faire travail esclavio. Européens, français, espagnol, anglais, tout l'autre peuple européen qui te prend esclave ça, ils ont imposé aux vins chrétiens, vins catholiques. Et même que, par exemple, en anti-français, dans anti-français, tant qu'au Guadeloupe, tant qu'au Martinique, tant qu'au Haïti, ils ont fait un code pour esclaves qui était relé le code noir. Hein? Et ils ont imposé à tout esclaves qui étaient dans la colonie française pour devenir catholique. Et tout esclave qui était joint, qui a pratiqué l'autre religion que christianisme ou catholique, bien, ils étaient punis, ils étaient tués même des fois. Donc, code ça, il a toujours existé. Si nous voulons nous vérifier dans les documents historiques, on a besoin de lui. Hein? Son document que roi France a été. Écrit, c'est décrété à l'époque ça. Donc, il y a un pile esclave haïtien qui était musulman, mais qui était obligé de cacher religion, ou bien qui perdit religion avec le temps parce qu'il n'y a pas de cas pratiquer l'ouvertement, il était obligé de cacher. Hein? Et même en Haïti, jusqu'à aujourd'hui, il y a un pile. Il y a un pile croyance ou pratique que nous avons fait qui pas en accord avec la religion chrétienne, non? Mais nous avons pratiqué, hein, il y aurait le vaudou, hein, tout le monde connaît ça, tout haïtien connaît ça, et ils ont représenté loyaux, hein, esprit qu'il n'y a pas d'oré, ils ont représenté avec non-saint église catholique. Ils ont mélangé religion catholique, non, avec ancienne religion, parce que bien entendu, c'est pas tout esclave qui était musulman, c'est que l'autre esclave qui était
qu'on adore idole ou qui te qu'on adore esprit ou bagaille ça yo, hein, ton couloir, il y a pas adoré diable, il y a pas adoré l'autre bagaille. Ou pas adoré Dieu seul. Il prend intermédiaire entre eux-mêmes et Allah. Hein? Donc il contredit religion prophète. Yo. Donc ça c'est un exemple. Hein? Pour nous connaître que si nous besoin argumenter sous bail étranger pas étranger déjà haïtien ou étranger en Haïti parce que originaux c'est pas de Haïti ou sorti originalement c'est en Afrique ou sorti puis j'ai eu l'occasion pour mal visiter l'Afrique maintenant quelques pays africains puis en particulier les mal en Côte d'Ivoire l'aimerais ver Côte d'Ivoire moi que tout ça gagne en Haïti gagne en Côte d'Ivoire c'est même climat même légumes même fruits même tout bagaille c'est un coup là où il y a en Côte d'Ivoire c'est un coup en Haïti hein même c'est un coup Haïti son petit morceau de Afrique qui était prêt yo vienne mettre là en Antilles donc faut nous comprendre que originellement c'est pas Haïti réellement donc faut nous comprendre que religion l'islam n'a été répandu partout, même en Afrique, pile pays, c'est noir, c'est africain, il n'y a pas arabe, même si il y a un pile qui connaît pas les arabes, mais il n'y a pas arabe et il y a un musulman. Il y a un chinois qui est arabe, il y a un chinois qui est musulman. Il n'y a pas arabe, il y a un chinois, mais il y a quoi dans l'islam? Donc il y a un musulman. Il y a un indonésien qui est musulman. En Chine, il y a 80 millions de musulmans. Ou 50 millions, il dit 50 millions. En Inde, il y a 80 millions de musulmans. En Indonésie, il y a 140 millions de musulmans. Au Pakistan, en Inde, on ne sait pas arabe, mais il y a des musulmans. Pakistanais, il n'y a pas arabe. Indien, il n'y a pas arabe. Iranien, il n'y a pas arabe. C'est persuadé. Il y a des musulmans. Bon. Gen Turquie, musulman yo pas arabe, hein. Gen pile moun k'ap vive dans le nord de l'Afrique, au Maroc, en Algérie, hein. C'est pas arabe, yo gen pile qui berbère, yo kabyle, hein. Yo pas, yo gon l'autre langue, yo gon l'autre culture, yo pas arabe, mais yo musulman. Gen musulman tout dans pays africain de l'ouest, pays africain de l'est. Donc, musulman, c'est pas un peuple, c'est pas une langue. Musulman, c'est un message universel lié. Et c'est une religion toute prophète. Hein? Donc, si on nous dit, non, m'pas qu'à accepter l'islam, religion ça, son religion, on l'autre peuple, son religion arabe, nous qu'a dit, Mountayo, déjà, même religion, hein, prophète, tout l'autre prophète qui était venu avant, pas de gagnant qui était haïtien, non, yo. Jésus pas haïtien, Moïse pas haïtien, Abraham pas haïtien, Jacob pas haïtien, David pas haïtien, hein? Noé pas haïtien, pas de gagnant qui est haïtien dans le prophète ça. Est-ce que nous pourrons abandonner le message là parce que son l'autre peuple qui mène elle? Si c'est la vérité, nous obligés à accepter elle, peu importe de qui est-ce qui venu. Donc ça c'est le premier point que j'ai besoin d'expliquer, c'est un point important pour ça nous allons expliquer après, Inch'Allah. Ensuite, donc, comme même Jean ça nous t'a expliqué avant, c'est que l'islam, c'est la soumission à Dieu, les signifier. Donc, tout ça me sort expliqué là. C'est pas pour rien, m'a pas expliqué par ça. Ça va être très important, que nous devons faire nous comprendre en même temps. C'est que, peu importe, côté nous sorti, côté nous fait, langue que nous parler, culture que nous gagnons, tout bagaille ça y est en réalité, c'est pas un bagaille que nous t'ai choisi pour être nous. Bagaille ça y est, c'est bagaille Dieu t'est prédestiné pour nous. C'est pas nous-mêmes qui choisit. Bon, par exemple, pas gagne monde qui choisit côté le fait. Pas gagne monde qui choisit parents yo. Pas gagne monde qui choisit culture côté yo fait. Pas gagne monde qui choisit bagaille ça. Ça, c'est un bail que Allah t'est prédéterminé. Et tout le monde, hein,
grandit dans une situation différente. L'islam, c'est religion naturelle de l'être humain. C'est la soumission à Dieu. C'est la foi en Dieu, en Dieu unique, et c'est lui seul que nous supposons adorer, nous sommes supposés adorer ou prier pour l'autre que lui-même. Et prophète n'a-t-il dit, prophète Mohamed n'a-t-il dit, tout ça, tout le monde, les fêtes sous l'islam, les fêtes sous religion naturelle, en arabe nous dit fitra. Donc tout le monde qui fête, l'el petit, l'el sorti de maman, sont musulmans liés, sous l'islam. Mais c'est par un lit qui fait le changer, qui fait le vin chrétien, qui fait le vin juif, ou qui fait le vin vaudouisant, ou qui fait le vin en l'autre croyance ou en l'autre religion. Hein? Parce que si ou qui t'en simone grandit comme ça, et que vous mentionnez, ou expliquez, ou mandez, côté Dieu y est, côté lié, qui est-ce qui est supposé adorer? Hein? L'abdi, c'est Dieu, l'abdi en Dieu directement. Hein? Il n'est pas pour qu'on ait une idole ou dans l'autre bagaille. Ses parents liés qui ont inculqué croyance en l'autre bagaille, en l'autre Dieu, en l'autre homme que ont adoré en dehors d'Allah. Mais tout le monde, en dans lui-même, les lois en l'autre homme, ils ne connaissaient pas Dieu. Les lois en arbre, ils ne connaissaient pas Dieu. Les lois soleil, là, ils ne connaissaient pas Dieu. Ils ne connaissaient que Dieu en son bagaille qui est plus grand que bagaille, ça y est. Qui crée toute bagaille, ça. Hein? Ça, c'est dans la nature être humain. Donc, ça, c'est fondement islam, non? C'est ça lié. Hein? Et donc, étant donné que nous toutes faites, non, en situation et dans un contexte social différent, faut nous réfléchir, faut nous utiliser tête, non? Toute religion que nous avons suivi aujourd'hui, hein, elle est toute différente. Il y a tout contradictoire. Tout, il y a un qui a dit un bagaille, l'autre a dit l'autre bagaille qui est contraire. Hein, qui a contredit ça, l'autre a dit. Ça signifie que toute religion n'est pas qu'à vrai en même temps. Tout message n'est pas qu'à tout vrai en même temps. Parce que deux bagailles qui sont contradictoires, pas qu'à vrai en même temps. Pas qu'à, toutes les deux pas qu'à bon, pas qu'à correct en même temps. Hein? Faut qu'il y ait un qui est vrai, et l'autre qui fausse. Hein? Deux bagailles opposées, pas qu'à vrai en même temps. Nous pas qu'à accepter une contradiction dans la vérité, soit que c'est la vérité ou soit que sont menti. Vous avez le choix, vous choisissez. Hein? Bon. Kounia, nous, Allah, te baille chacune, Dieu, te baille chacune dans nous-mêmes, nos têtes, nos raisons. Pour le réfléchir, pour l'analyser. Hein? L'enal fait market, nous arrivons dans un supermarket, hein, pour nous acheter manger, pour nous acheter produits, n'importe qui bagaille. Nous arrivons dans un rangéo, nous avons que 10 sortes différentes de détergents pour nous laver, rad. Ou n'importe qui l'autre produit. Nous arrivons devant section, par exemple, pain, devant section, légumes, n'importe qui côté. Où est-ce qu'on sort, on différentes sortes de qualité, produit. Qui j'en nous fait pour nous distinguer entre produits, qui est-ce qui produit qui est bon, qui est-ce qui pas bon? Faut nous comparer, faut nous analyser. Eh ben, c'est même bagaille. Toute chose pas qu'à vrai en même temps, faut nous analyser, faut nous utiliser tête, nous. Chrétiens, musulmans, juifs, bouddhistes, hindous, vaudous, hein, athées. Tout le monde a dit, c'est la vérité que nous avons suivi. Kounia, faut nous arriver, nous chita, nous réfléchir, nous commencer à analyser bayo. Est-ce que yo tout, qu'à vrai en même temps ou non? Donc, faut nous réfléchir pour analyser. Témoin de Jéhovah, protestant, adventiste, baptiste, méthodiste, hein,
mormons, vaudouisants, hein, toute religion ça, yo, pour nous, ouais, ça que vrai, ça que pas vrai. Est-ce que Dieu t'a révélé toute religion ça, yo? Est-ce que Dieu t'a accepté toute religion ça, yo? Ouais, ça pas qu'à possible, hein? Parce que gagnons seul Dieu. Donc si gagnons seul Dieu, pas qu'à gagner.